a été évoqué ce soir de manière très libre et directe. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Alors, je n'ai absolument pas dit que la France n'y était pas favorable. Je ne lèverai pas l'ambiguïté des débats de ce soir en donnant des noms. Je dis que ça a été évoqué parmi les options. Je vous ai dit les 5 points sur lesquels il y avait un consensus qui s'était établi. Si ces points, d'ailleurs, étaient totalement mis en œuvre, il ne faudrait pas exclure qu'ils nécessitent des sécurisations qui justifient ensuite quelques éléments de déploiement. Mais je vous ai dit de manière très claire ce sur quoi la France maintiendra sa position, qui est une ambiguïté stratégique que j'assume. Rien ne doit être exclu pour poursuivre l'objectif qui est le nôtre. Dire que le consensus, l'analyse collective était que d'ici à quelques années, il fallait s'apprêter à ce que la Russie attaque les 10 pays. Et donc, très clairement, la lucidité est là et le constat collectif est que, au fond, notre sécurité à tous est aujourd'hui en jeu. L'objectif de l'échange de cet après-midi est d'une part évidemment de partager tous les éléments utiles à la caractérisation de la situation que nous vivons, à son constat, de voir sur le plan national et collectif comment nous pouvons faire plus en soutien budgétaire, plus en soutien militaire, plus en capacité mise à disposition et en poursuite aussi des accords bilatéraux comme plusieurs d'entre nous en ont déjà signé ces derniers temps à l'égard et avec l'Ukraine. Merci. Vidíme obrovské bezpečnostné riziká
v bilaterálnych dohodách, ktoré sa pravdepodobne v krátkom čase uzatvoria medzi inými členskými štátmi NATO a Európskej únie, ktoré chcú poslať na Ukrajinu svojich vojakov. Žiadny vojak zo Slovenska nepôjde na Ukrajinu. Nebudem teraz robiť ani politické vyhlásenia, ani iné k tomuto záveru. Plans for NATO combat troops on the ground in Ukraine. We must remember what this is. This is a war aggression by Russia against Ukraine, blatantly violating international law. According to international law, Ukraine, of course, has the right to self-defense, and we have the right to support them in upholding that right, and that's exactly what NATO allies are doing and will continue to do.